toute la suite de notre prise de cette première map. On n'est pas arrivé hein, quand même. Parce que bande d'américains. Pardon. Et je suis toujours avec la bande A4, Crazy, Dacus et Katox le muet. Salut, je suis aux prises avec des milliards d'ennemis. De notre bien, Bernardo. Bernardo. Ce qui est bien, c'est que l'APC américain vient d'écraser les Américains. Je suis très fan. Je viens de demander un tir. Attendez, je regarde pour regarder le résultat parce que je suis mort. Si le jeu veut bien. Oui. Voilà. De l'XP là. Ah oui, donnez-moi de l'XP. Ah me voilà caporal. C'est long du nerf. Et t'as qu'à venir à Zikino hein. On prend toujours on prend de la bleusaille hein. La chair fraîche là. Ah. Mauvaise idée de foncer dans le tas apparemment. Mauvaise idée, je confirme. Ah ils sont nombreux hein. Ah c'est le dernier point là, va falloir pousser. L'oncle Sam ne veut pas que nous prenions sa base. Alors je suis... Ah pardon Katox, j'étais tellement concentré sur ton Gustave que j'ai oublié de te sauver. J'ai trouvé un autre laptop. Oh prends-en soin. APC. Vas-tu réussir à extraire ce laptop? J'arrive au camion spawn. Non mais camion spawn on s'en fout du coup en fait. Où il est le note de la... De... J'allais dire de laptop. D'APC. Oula mais c'est super loin. L'armurerie y'en a pas dans le coin là. Non. Non. Ah la voiture s'appelle un pigeon. J'adore ça. Ouais, c'est un pigeon. Ouais. Elle a des ailes et en fait... non, c'est pas vrai. Ah c'est Steiner Focal. Ya. Et ce n'est pas une insulte, s'il vous plaît. Oui, parce que c'est vrai que chaque mot allemand, on a l'impression que c'est une insulte. Si tu mets la bonne intonation, il y a moyen que ça fasse une insulte. Hein. Oh, la physique non, des véhicules dans ce langue. Jeu. Ouh, belle. C'est guttural, quoi. Ouais. Alors, le MK23 SOCOM est disponible. Oh, yeah. Le pistolet hein, qui a été demandé par les Spec Ops américains et qui au final ne sera jamais utilisé. Ah c'est comme un petit air de. Déjà vu ? Solid Snake. C'est ça, un petit 45. Oh, papa. Qu'est-ce que je prends comme arme ? Qu'est-ce que je prends ? Y a rien qui m'inspire, hein. C'est fou ça. Un petit sniper, je voudrais bien, mais 2000 d'XP, je peux pas encore. On va y aller au space 12 un peu, hein. Ouais, on va y aller au space 12, allez, on va essayer un peu. Il a su démontrer son efficacité. Eh bien, nous arrivons, mon soldat et moi, avec notre véhicule. Et c'est une arme surfaite, le space 12. Certainement, mais moi, tant qu'elle fait pam-pam, tu, ça me va. Ah, un gagné. Non, Dacus disconnected. Non, j'ai été déco. Oui. Il n'a pas payé sa facture Steam encore. Ouais, 50€ c'est que pour une heure. Hein. C'est ça. Alors où est-ce l'inflation, qu'on est l'inflation. Le prix de la nouvelle voiture du AK. Bah voilà. Ah, ça a pas duré longtemps. Ah merde le... Alors, je sais pas que c'est qu'a mis le camion de spawn, mais il l'a mis trop près de la base. En fait, dès qu'il y a des ennemis à portée, ça le désactive. Je sais pas, moi, c'est toi qui a conduit le camion spawn en dernier. Non, mais celui-là, celui qui est en retrait, c'est moi. Mais il y en a un qui a quelqu'un qui l'a mis à côté de la base. Et un petit peu trop près, du coup. Mais c'est pas moi. Ouais, je pense que c'est Katox, il parle pas, c'est lui. Les absents ont toujours tort. Hein. Cette grenade. Je vais regarder parce que ça se trouve Katox. Non, je pensais qu'il m'avait mis un message sur Discord, mais non. Au cas où que. Voilà. C'est marrant, hein, point mobile comme ça, hop. Les mecs ils sont là. Ah bon, bah allez, ok, je spawn là. Et moi je repars. Ok, donc ça c'est la fin de la map, par exemple. Peut-être que Katox a un problème de slip. Quoi? L'est-il? Quoi?
A plus le signe, merci d'être passé. Voilà, j'ai remis le camion de spawn, mais je l'ai mis un tout petit peu plus en retrait. Mais normalement, il devrait rester actif. Je ne sais pas ce que ça peut être, des problèmes de slip, mais tu sais que quand tu as un problème de slip, généralement, tu ne parles plus. Poum. D'accord. Ouais, bon, on ne doit pas parler du même genre de slip, alors... Profitez-en, j'ai un bouclier. Ça servait tellement à rien. Il aurait fallu que j'ai un flingue avec le bouclier, ça aurait été drôle, mais là... Grenade. Bonsoir mon petit Broody. Salut Broody. Aïe. Ouais ça pue là. Ah, le signe nord qui ne mange que maintenant. Non, il va préparer à manger. Ich bin tot. Ah, ceci dit, moi j'ai pas vraiment mangé, enfin j'ai grignoté un bout de gâteau. Moi non plus, hein, je n'ai pas mangé. Mais moi j'ai une journée totalement décousue, donc... C'est pas bien, il faut manger les gens. Ouais. Bah ouais, je débauche à 21h, fallait que je sois là à 21h, bon bah voilà. Il faut manger les gens, il paraît que c'est interdit. C'est vrai, bon je vais rebasculer au MCS parce que... On m'a jamais rien dit pourtant. Parce qu'on t'a jamais vu. Ah. Bah il en a parlé hein pourtant, mais ça a pas l'air d'avoir... J'ai des grands mots. Oh, en temps de guerre, il y a des choses qui sont tolérées. Ouais. C'est ça. Hein. Un peu trop d'ailleurs. Bah figure-toi qu'en fait pas tant que ça. Hein. On l'approche au bouclier tactique. Hein. C'est marrant, ça marche pas contre la PC. Ça marche pas, c'est bien ce que je me disais. Hein. Ça paraissait un peu trop beau. Ouais, un petit 30 mm, c'est sûr que ça n'a... un bouclier ne sert pas à grand chose. Hop. Bon, moi aussi, traité. Je voudrais te demander un bombardement, mais il faudrait déjà que je vois un endroit où il y a du monde, quoi. Niveau de la PC ennemie. Ouais, c'est vu. Je demande. Mais ils vont bouger hein, d'ici là. À moins que. En fait, il faut tirer dans là pour les maintenir. Faire des tirs de couverture, tirs de suppression, pardon. Voilà. Ah voilà. T'as le mec, il a survécu à un bombardement, quoi. Ouais, je vais pas voir dans quel état il est. Hein. En vrai, c'est pas très beau. Merde, j'allais en demander un autre, mais je suis mort. Ah, faut arriver à reculer un peu les camions de spawn. J'ai même le deuxième, je l'ai mis trop près. Merci mais... l'IA qui m'écrase avec la PC. Je vais rusher à mon autre camion pour le déplacer. Ouais putain, on a fait qu'une mission quoi. Et encore, on l'a même pas fini. Bah alors, 2 heures, ça passe hein. Ouais. Et qui a dit qu'on était pressé en même temps? C'est ça. Et moi je travaille pas demain pour une fois. J'ai presque fait tous mes papiers donc tout va bien. Ah voilà, je m'en doutais un peu mais bon, Katox va bien, c'est que la petite pose des petits problèmes, on va dire, d'un point de vue bruit. Donc il nous épargne ça avec toute la gentillesse qui est sienne. Pourtant des petits cris de bébé quand on est en train de tuer son papa américain, ça passerait pas. C'est pas faux mais là... Alors je vais déplacer Pour le coup il est pas américain mais ça marcherait quand même. On va déplacer un peu le camion de spawn sur la plage plus bas. Ou alors l'Amérique a bien changé quoi. Et puis ce que c'était. Ça a changé. Attendez, je vais couper. Alors, quand je regarde les films, ils sont tous pleins de muscles. Mais quand je regarde les photos sur place, je me dis ouais, non, ils sont pas pleins de muscles. C'est vrai que tu disais, ils sont tous pleins de muscles. Et quand je vois les photos de Katox, il a pas plein de muscles. Il y a toujours un muscle caché sous une couche de gras, vous savez. Le monomuscle Cronenbourg. Ah ouais, punaise, dommage qu'il y ait un APC parce qu'on était en train de prendre le point. Ah oui, c'est lui qui m'a trouvé, ok. Et il y a bien le point de spawn hein, au sud, hein, par contre, n'hésitez pas à le prendre pour continuer à faire de la présence dès que vous mourrez. Oh. À la petite greu que j'ai mis dans la PC. C'est toi le roquette qui est passé à droite de moi tout au sud que t'as complètement raté? Mais pourquoi elle ne marche pas? Oui, la roquette qui part en l'air, c'est moi.
Merde. Allez, il y a moyen de le prendre le point. On est à deux doigts de finir cette map. Messieurs. Ouais. Sauf que il y a un parachutage et il est américain. Allez, ouais. grenadez. Ouais, j'ai tout juste eu le temps de sortir derrière mon meuble. Enfin, derrière mon bâtiment, pardon. Ah oui, il y a parachutage, je confirme. Il y a au moins une cinquantaine d'ennemis qui ont été parachutés sous trois parachutes. Parachutage dans le 6h, c'est très efficace. J'ai tué Monsieur Tabac, ça y est, la fin de la clope. On peut tirer à travers ça. Hein. Ah, on peut tirer à travers ça, okay. Ah oui, c'est juste du camouflage, enfin tu sais, du, je sais plus comment ça s'appelle là, mais une espèce de tissu de camouflage. Camouflage. Hein. Voilà, tout simplement. Et il y a un Nippou édition bleue qui a été droppé. Mec, ils ont des iPods quoi. Aïe. Zut. Il nous manque l'armurerie mobile à côté. Il s'en prend du lance-roquette à gogo. Mais on peut compter sur Crazy. Aïe. Elle était jolie la grenade. Et c'était un beau tir. Ah ouais, magnifique. Bon. C'est qui? Oh, Dacus quoi. Qui nous a fait ce tir? J'allais dire Dacus, on a besoin de toi au centre et là. Ouais, ouais, y en a. J'étais en train de regarder le château d'eau que j'aurais pu détruire et. Voilà. Il était marqué en vert. Ah, il faut de la charge de démolition, je crois. Ouais, je sais pas quoi ouais. Ça sert de détruire le château d'eau, honnêtement. C'est des bonus, me semble-t-il. Certainement. Attention, ça arrive à gauche. Aïe. Oh oui, effectivement. Il a un UTS-15. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un fusil à pompe, ça? Je sais pas. C'est violent, en tout cas. Ouais. Bah, une armurerie mobile, ouais, si t'as ça. Je suis en train de la conduire, là. Ok, bah, faut la ramener jusqu'à là. Hein. Par contre, ça va être un peu long, mais... Oula. Je sens que je le point de spawn... Si... Bah, je crois qu'il va falloir déplacer... Tu peux passer par le centre-ville, y'a pas de soucis, ça craint rien. Faut juste que tu passes après, tout à l'est par contre. Oh en fait, attends. Je suis en train de rouler dans les plages. Ou la violence. Je vais demander un tir. Hein. Peut-être même deux si je me suis trompé. Mais... Non, un seul. Faut essayer de les maintenir là-dedans. Ouais, j'ai traité le commando, mais c'est pas évident. Hein. Ok, y'a une partie qui est morte, mais pas il tout. Il était aussi le taser. Aïe, c'était une. Ah putain, je me suis tué moi-même. Et le point, la spawn, mer. Le point de spawn n'est plus pour le moment. Merde. Parce que j'étais en train de viser. Ça y est, ils sont en train de revenir. Il est revenu, ils ont dû se déplacer. Attention, j'arrive avec le camion. Oh mais merde. Couvrez le camion. Ouais, alors longe bien tout le long, hein. Vous voyez un camion faire des zigzags, c'est moi. Je suis dans leur APC, j'ai pu récupérer leur APC. Par contre, je peux pas le conduire, mais je peux au moins tirer avec jusqu'à ce qu'il me pète la gueule. J'ai pris ah une bah roquette. Voilà. Bah au moins je l'ai pété, hein. Au moins ils ont été obligés de le détruire, ils ont pas d'APC. Voilà. J'ai pris une roquette dans la dans l'armurerie. Ouais, bah ça voilà, c'était le risque malheureusement. Mais il nous fallait tenter. Tout à fait. J'étais vraiment pas loin, j'étais genre à 300 mètres. Ah, le point est en train d'être capturé. En fait, tu sais, c'est les mecs qui étaient sur notre point qui sont venus sur l'armurerie et voilà. C'est pas faux. On va prendre le point, je pense, là, ça y est. Si on tient le choc. Aïe, mais j'en ai marre de crever, moi, merde. Mais non. C'est normal. 4, 3, 2, 1, et... C'est le GG. Soldat tué, 1585 pour nous. Et eux, 1061. Ouais. Mais on a par eu contre... 1099 morts et 11 véhicules détruits. Quel c'est... talent. Wouhou. Donc vous pouvez, en 1h37, c'est beau. Tous les soldats que vous trouvez prisonniers, vous pouvez les abattre, ça vous fera de l'XP. Hein. Donc la convention de Genève, oh. Je te laisse imaginer qu'on se joue en UPC. Oh là là là. C'est pas joli joli ça. Hop là, de l'XP. Encore plus d'XP avec le couteau. Et quand est-ce que ça change de map?
Alors pour changer de map, il faut aller, vers les un des deux points. Donc là, on peut aller soit à Vigil Island, il faut aller au dock pour y évacuer, soit Fridge Valley, qui va être plutôt dans la neige du coup. Si vous avez envie d'une ambiance de neige pour changer un peu, on peut se donner rendez-vous au point à l'est. Comme vous voulez. De toute façon, normalement une campagne, on est censé faire tous les points qui sont là. Alors oui, s'il y a des gens qui se posent la question, oui, ce jeu est répétitif, hein, ça, je vais pas vous le cacher. Si vous n'aimez pas le il genre. Est à combien le jeu? Je sais plus. Ouais. Je sais plus trop. 20, je crois. Même pas. 19. Ouais, regardez ça sur Steam. J'ai accès à Steam. C'est bien. Fait. Le temps que j'évacue. Ah, Fridge. Nous avons également un magnifique lien vers Humble Bundle. C'est ce que j'allais dire, mais le mieux, c'est effectivement le lien vers Humble Bundle pour soutenir Les Signes Noirs. Vous avez encore un peu de PVP sur le jeu. Hein. Il y a beaucoup moins de monde qu'avant. Il y a des modes aussi pour le jeu, bien évidemment. Mais bon, c'est sûr que le jeu a passé son plus gros en multijoueur. Hein. Mais par contre, avec des potes, vous pouvez toujours vous lancer parce que c'est vous qui faites votre propre serveur. Donc, vous voulez relancer le jeu dans 50 ans. Bon, j'exagère. Mais il est à 14,99€. Ah voilà, donc je suis mauvaise langue, il est moins cher que ce que j'ai dit. Pristime, hein, je parle, évidemment. Ouais, bien évidemment. Mm. Et je vous en remercie, cher monsieur. Mais de rien, de rien. Changement d'ambiance, changement de décor. C'est toujours bien d'avoir Steam sur le téléphone, quand même. C'est vrai. Et donc, on reste dans notre grade, d'accord. Ah oui, tu le suis pour toute la partie, effectivement. Je vais effectivement aller à l'armurerie tout de suite. Alors, est-ce que je peux changer d'arme? Comment on voit? Ah oui. Donc, je vous déconseille le fusil à pompe sur une map comme celle-là, hein, parce que si vous vous rendez compte, si vous regardez un peu, ça va être vraiment tout à découvert. 4 de RP. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je meurs, ça va me coûter 5 RP, c'est exactement, ça? Exactement, pour refaire son setup. Tu as tout compris. On peut rien cacher. Hmm. Un petit Glock 17 silencieux, c'est pas mal ça aussi. J'en ai pris un, ouais. C'est du coup par coup Le quoi? La SG 552. Il me semble que c'est un DMR en 762, mais Bah en tout cas, je suis obligé d'appuyer plusieurs fois, hein, pour tirer dessus. Mais tu n'as pas un sélecteur de tir? Non, j'ai pas les petits points en dessous, donc Non, j'ai pas de sélecteur de tir, donc c'est forcément du coup par coup. Ouah, ça va être particulier. Par contre, c'est peut-être précis aussi. Hein, mais... Oulala, 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 oulala. Ça arrive, hein. Faut défendre, là. Ah, je confirme. Normalement, c'est un fusil d'assaut, 752. Bah écoute, je ne sais pas pourquoi, mais... Aïe. Pardon. C'est du 5.56, donc normalement ça doit être... En fait, c'est le SIG 550 qui a été remis rechambré en 5.56. Voilà. D'accord. Ben... Donc c'est censé être un fusil d'assaut, donc automatique ou semi-auto. On va apprécier le petit véhicule blindé qui vient de nous donner un coup de main, je pense. Je ne sais pas du tout où je suis, j'ai un mec qui me suit, c'est déjà pas mal. Je vais rechanger d'arme du coup, parce qu'elle est vraiment pas pratique. Je vais prendre la Scorpion pour le moment parce que je pense qu'il y aura pas mal d'affrontements quand même à court et moyenne portée. Et elle est très efficace à cette portée là. Eh oui, les cœurs, je suis pas du tout parti dans le bon sens. Les cœurs. Ah merde. J'étais parti vers l'est de la map et pas à l'ouest. Ah oui. Ah oui, c'est embêtant. Très gênant. Ah, j'ai un petit quad s'il y en a un qui veut. Ouah, trop classe. Bom, bom. Oh putain, mais c'est indirigeable. Et ça vole pas. Ouah, la vache, je vais à peine vous accélérer, c'est indirigeable ce truc. Et où est-ce qu'il a eu son permis? Oh, magnifique.
J'arrive les copains. Ah, j'ai vu un Horley Magazine au sol. Ah, je suis mort. Étrange, hein. Ce bourrin. Ah, j'avoue. J'entends des tirs de sniper là, des piches. Ah, c'est à nous. Ah, c'est à nous. Ok. Tout va bien. C'est à nous. Aïe. Non, pas que. Oula, ils ont fait une petite barrière de protection là. Bon, je crois qu'il va falloir tirer au lance-roquettes pour faire péter leur truc. Parce que là, ils m'énervent. Gustave! Yes, my lord. Encore du travail? Ah, les vieux jeux, vous donnez envie là! Ah, c'est pas faux, hein! Ah merde, ça marche pas. Bon bah, raté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine un feu nourri. Ouais, une grenade, je pense, mais. On force les Américains. Ah, je viens de vider la Jeep là. Hop. Allez, tiens le coup d'accus, on va le prendre. Ouais. Bon, ça devrait le faire. Ouais, ça y est, on l'a. Attention aux contre-attaques. Je suis avec toi, Katox. Ah, y a du monde là. Ouais, allez, on va les abattre. Ah, ça calme. Les mecs, ils balancent des bombes nucléaires. Tout va bien. South Trench. Allez, South Trench, c'est parti. Ah, mais tu as pris le camo. J'ai... Je sais plus ce que j'ai. Le scorpion. Comme tout à l'heure. Non, je parlais du camouflage. Ah non, j'ai pas pris le camouflage, c'est un deuxième skin pour un personnage. Ok. Ah, écoutez, une petite étoile. Tu... Oh putain d'accus. Oh là là. On a apparemment. Oh là. Oh là là. J'ai bien cru que ça allait finir comme les sorties de boîte de nuit là. Oh, je me suis suicidé. Ça arrive. Ça arrive de temps en temps. J'ai sauté du buggy, il a foncé contre l'arbre, il a rebondi sur moi. Je vais demander un bombardement chez eux. Aïe! Et ils ont fait la même, chez nous. Ouais, ils ont fait la même chez nous. Fermeur. Oula, y'a du monde là. Je suis en train de descendre dans la tranchée. Ah, Camille, non. Ouais, voilà. Dacus m'a vu, il a vu la petite grenade arriver sur moi, il a fait ah. Ouais. Au revoir, Aka. Je m'en vais. C'est ton problème, moi, je me casse. Je veux bien demander un bombardement, mais. Attends. Il y a une zone qui arrive sur la gauche. Attention. Bim, allez go. Allez, y'a moyen là. Allez, un petit assaut. Allez. J'ai pas rechargé, quel débile. Ah, ils ont un VBT armé d'une calibre 50 M2 Browning. Je suis mort. Hein. Allez, tenez les gars, tenez. Ouais, c'est facile à dire, t'as vu ce qu'il y a. Ouais, j'ai pas dit que c'était facile, hein, j'ai dit que... Je vous en donne l'ordre, c'est tout, après... Si vous mourrez, c'est votre problème, hein. Oui, général. C'est vous qui ne reverrez pas femme et enfant, hein. Non, pour le moment, je ne suis que caporal.
Et en vrai, Katox est aussi gradé que moi, donc il est pas obligé d'obéir à mes ordres, lui. Bah, moi non plus, alors. T'es caporal aussi, toi? Ouais. Ah, non, vous êtes tous caporal? Bon, bah, vous êtes pas obligé de m'obéir, en fait. Sauf Dacus. Bah, t'es arrivé après en même temps, Dacus, hein, c'est normal. Ouais, voilà, je suis soldat première classe, moi. T'engueuleras ton patron demain, et puis. Il fallait arriver à l'heure. Exactement. J'ai eu des problèmes en plus, bon voilà. Ah. C'est ça de pas payer ses cotisations. Mais oui. Et on est en train de prendre le point là. Enfin, on n'est pas encore en train de le prendre, mais on avance. Mort aux Américains. Marianne fidèle. Nous gagnerons la guerre de la choucroute. Ah non, c'est pas la même. Voilà, y a... Les Américains sont en train de revenir dans la tranchée, je suis tout seul, à mon avis je vais pas tenir. Tout pour Angela. Choucroute soir. Ah, je suis mort. Je suis mort. Il s'appelle comment le nouveau chancelier déjà? Oh pff. Alors là. Oh, moi je me suis arrêté à Helmut Kohl. Ah bah Merkel quand même, on en a tellement entendu parler. Oui, mais... Ah bon, Angela. Angela. Ou pour Angela. C'est pas Schulz maintenant? C'est comme ça? Papa Schulz? Ah, c'est pas impossible, c'est ouais. Papa Schulz. Putain, j'avais plus entendu ça depuis... Je vais bien, messieurs, je vais bien devenir... Wow, je sais un peu depuis quand ça date, ça. Oula. Avant ma naissance. T'étais pas né. T'étais pas né non plus, ouais. On fait du Alay, sinon, boum! Ça peut être ça aussi. C'est ça, ça j'étais pas né non plus quand c'est sorti. Je crois qu'il y a pas grand monde qui était né quand c'est sorti. Sauf peut-être Broudaf. Ah, et si mieux que ça Broudaf? Ah bah tu vois, je savais pas. Ouais, il me semble, ouais. On est en train de bien les charger là. Il est à peu près du même âge que Slan. Ça, j'ai bien me faire bâche après. Ouais, faudrait déjà qu'ils écoutent, hein. S'ils écoutent pas en vrai. Bah justement, c'est pour ça qu'on peut dire des conneries. Bah exactement. Clipez ça et envoyez-leur. C'est vrai. Bon sang. Dans la grande vadrouille, c'est 66 quand même. Mais sauf que c'est la 7ème compagnie, pas la grande vadrouille. La grande vadrouille, c'est quand même de 66. Elle est en train de le prendre. Est-ce que tu dis ça parce que t'essayes de te convaincre que tu es encore jeune? Oui, tout à fait. Ça y est, on a pris les tranchées. Il tente un repli, mon colonel. Ma bière. M24 A2. Hop. Où est l'armurerie? Où est l'armurerie? Elle est là. La Negev, elle vaut quoi? C'est de la merde ou... Non, ça a l'air d'un gros machin. La Negev. La IMI Negev. Une IMI. IMI, c'est israélien. C'est donc de la merde. D'accord. Okay. Au moins, c'est clair, c'est précis. Voilà. Excusez-moi, je suis contre les Aéli israéliens. Donc tout ce qui est israélien, c'est de la merde. Et même si tu veux d'autres objectifs, c'est de la merde. En vrai, c'est pas terrible. Bon, ben voilà, on va regarder la M16 alors. Ils arrivent dans mon dos! Aïe! Il me reste 9% de batterie sur mon téléphone, je pense qu'il va couper avant la fin du live. Et moi, je suis à 35%, ça va. Et vous n'avez pas pensé à brancher vos téléphones? Si, si, moi je l'ai chargé avant. Mais pas à fond, mais je l'ai branché un peu tard, mais suffisamment pour tenir ce soir. C'est vrai que sinon il y a des câbles USB. Ouais, mais la flemme. Ah d'accord. C'est surtout à cause du nombre de coups de tête que j'ai dû passer aujourd'hui. Ne bougez pas les petits gars. C'était bien sur votre colline. Voilà, c'est bien ça. C'est bon ça. C'est moche. C'est Kiki ça. L'obéissant du soldat américain? Oh, c'est Kiki. Oh, c'était eux. Oh, bah oui. Voilà, je viens de m'en buter quelques-uns là. Ah, merci Dacus pour. Oh, je l'ai mis au sol lui.
Bon, il m'a mis au sol aussi, hein, mais. Et moi, où cette map est plus rapide? Ah, bah oui, toutes ne sont pas pareilles, hein. Y'a moins de points à prendre. Bah, c'est ça, c'est ce que je me disais. Un sniper. Ah. Non, mais t'inquiète. Voilà. Un Beretta M9 ni silencieux. Ah, oui, bah. Le M92 FS. Oula, oula, ça revient par contre, hein. Ça va, Crazy? Ouais, je suis un petit peu à l'étroit là. J'ai cru comprendre ça, ouais. Non, je vais pas tirer là, c'est du gâchis de. Mais n'empêche que ça tient. Mais il reste 3%, mais j'ai plus de grenades. Ah, attends. Merde, je me suis trompé de bouton. Oh là là là. Bon bah. Bon, j'ai l'impression d'avoir pris un tir de mortier, pleine tête. C'est à peu près ça. Attends, attends, il y a un parachutage là, mais je pense que c'est à nous, hein, je suppose. Oui, mais le véhicule léger, enfin, le blindé léger sur le côté, j'ai pas l'impression que ce soit à nous. Ah. Attends, je voudrais être certain que c'est pas à nous. Je confirme, ce n'est pas à nous. C'est un char mortier, voilà d'où venait le mortier. Et il est traité. Voilà. Bon, j'ai pris son dernier tir, je crois. Ok. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ben voilà. Aïe. Bon, dans un quart d'heure, j'arrive. Oh putain, j'ai un quad qui a failli m'écraser. Qui sait qui jouait avec un joli fusil de snipe silencieux là? Ah, je sais pas, mais ça fait un bruit dégueulasse. Ah! J'ai pris une vieille balle là! Arrête encore de regarder ta map et joue! C'est pas faux. J'ai essayé de faire un truc, ça n'a pas marché. Allez, on est assez nombreux là, avec un peu de chance. On est en allez, train allez, de allez, commencer... allez. Ah merde, on était en train de commencer à prendre le point, mais il y a des renforts qui ont dû arriver. Il y a un mec tout nu. Effectivement. Oh bah là, ils ont pris cher. Oula, ça arrive à l'ouest. Ça arrive, attention. Allez, on est à deux doigts de le prendre. As-tu récupéré la gemme? Non. Ah, ah, ah. Par contre, je vais récupérer des balles. Par contre, maintenant qu'on a le point de spawn, ça va être plus dur pour eux là. Allez, va chier toi. Il aime peut-être ça, hein. Une F2000, qu'est-ce que c'est que ceci? Ah, oui. Il y avait ça dans Counter-Strike. Il y avait ça dans Counter-Strike, non? Non. Non, t'avais ça dans un Battlefield 2, je crois. Ah, peut-être. Mais le F2000, c'est de la merde. Bah, c'est belge, non? Bon, ça va, je plaisante. Katox, il peut pas répondre, c'est pas drôle. Le P90 c'est belge aussi, hein. Ah, c'est le P90 qu'il y avait dans Counter Strike. Ouais. J'ai ouais, confondu. Tout à fait. D'ailleurs, Katox me d'ailleurs, répond merde en message. Le F2000 et le P90 sont de la même firme. On se demande comment ils ont pu chier le F2000 à ce point-là. Erreur de jeunesse. Non, c'est surtout l'erreur des années 2000. Hein. Ça arrive, mais beaucoup même. Hein. Ouh là là, nord-ouest.
j'ai pris une balle en arrivant, j'ai même pas compris d'où elle est partie. D'accord, je me suis pris une balle de snipe. Ouais, ça arrive et ça fait très très mal. Hein. Je vais demander un bombardement, hein, sois patient. Voilà, c'est bon. Oh, on est pas mal là, on est pas mal. Oui, le fail de grenade. Le char mortier. Voilà, le rocket sur le mec, parce que voilà. Ah non, j'ai pris une grenade. Zut. Il a pas dû apprécier le coup de grenade, le monsieur. On avait fait une belle percée là. Ah, l'IA qui essaye d'avancer tout droit dans un char détruit. Ça arrive, hein, il y a des petits. Bah, c'est une IA quoi. Voilà, ça reste une IA, faut pas non plus. Camion de cargaison des Greenbelt repéré, direction center. Capturez et déposez-le à une armurerie. Eh bien, moi je dis que ça c'est une belle mission ça. Il est où? Quelque part. Les parachutés, ils ont pris cher. Attention, ça va push. À niveau de l'ouest. Je suis en avant avec le blindé là devant leur base. Pour le moment ça va. Ah 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 ah, j'ai le transport de prisonniers là. Ah. Si vous arrivez à venir devant la base, je les tiens en joue pour le moment. Alors normalement au transport de prisonniers, il me semble qu'il faut faire péter les portes hein, ou un truc comme ça. Oui. Alors je les tiens plus en joue mais je viens de prendre un petit niveau. Non, c'est bon, tu... Ah non, très bien, tu as pu le prendre. Hop, attends, attends, attends. Allez. Cover me. Je suis passé au sniper, du coup. Je sais pas où je vais aller, hein. Sniper, ramène-le à une armurerie, un truc comme ça, non? Ouais, je pense. Vous avez quoi, là? Des prisonniers. Un transport de prisonniers. Si vous pouvez m'indiquer une armurerie pas loin. Tourne. Descends. Attends, tourne plein est, vas-y, plein est, plein est. Ah, mais c'est. Mais allez, au fond d'une tranchée. Oh la vache. J'ai une armurerie par là. T'as l'air de galérer un peu, hein. Attends, il est un peu abîmé, je crois. Ouais, oh, ouais, il est esquinté, je confirme. Sans ça, j'ai jusqu'à l'armurerie, je te... Bah, il me semble que normalement... Tout droit pendant longtemps. Transport de prisonniers, il me semble que ça se pète, en fait. Mais je sais pas si on peut le... Enfin, bref, tu l'as volé, donc... Ouais, je sais pas s'il faut l'exploser sur place ou... Je sais pas, effectivement. Ou le rapatrier dans un camp. Mais où est Dacus? Il a disparu, Dacus. Après je peux regarder journal, je sais plus hein. Les bus et les portes de prison peuvent être détruits avec des explosifs pour libérer les prisonniers alliés. Les prisonniers fourniront votre faction un renfort temporaire de capacité de soldats. Donc faut le faire exploser. Bien. Voilà la réponse. Des explosifs ? Je ouais, suis parti à l'armurerie récupérer ce qu'il fallait. Je vais attendre avec toi Kat. Quand même. Alors de mémoire, une charge suffit. Oui, une charge devrait suffire.
Je suis juste à la tranchée. Hein. Ah, t'es de retour, Adacus ? Il m'a planté. Je sais pas ce qui se passe. J'arrive, évacue les lieux. C'est pas la soirée, hein. Non, je pense il est à 95%. Ouais, mais tu attention. Vas voir. Je dois avoir un disque fatigué, mais alors lequel ? Ah. Kaboum ! Voilà. Ils sont là, 4 aéroportages. Et voilà. Ils sont beaux en tenue orange. Heureusement que le AK a ramené le bus à la péril de sa vie. C'est ça. Et j'ai un mec qui est devenu mon soldat, d'ailleurs. Bon, ça veut quand même dire qu'il transportait des prisonniers armés. Que nous dit le des Américains. Ah, quelqu'un a perdu son Kamasutra. Tu sais, c'est le deuxième amendement, tout ça, tout ça. Hein. Le combien? Le deuxième. D'ailleurs, t'as l'impression que c'est le seul de leur constitution. À chaque fois que t'entends parler de leur constitution, t'entends le deuxième amendement. C'est pas fou. Ouais. C'est le seul qui vraiment, ils en abusent, on dirait. C'est le seul qu'ils connaissent, en fait. Le droit de porter un flingue. C'est ça. Et il faut que ça soit plus gros que mon voisin. C'est ça. L'invocation suprême. Alors, on rappelle quand même, pour ceux qui n'auraient pas de connaissances là-dessus, que ce n'est pas les armes qui font le crime. Hein. Il y a plein de pays où le port d'armes est légal. Et où c'est pas la folie de la tuerie comme aux États-Unis. Ouais, j'avoue, ça c'est... Nous pouvons parler, par exemple, de nos amis suisses. Ou de nos amis tchèques également. C'est vrai que les tchèques, en plus, ils ont droit d'avoir des tanks ou des trucs comme ça. Ouais, tu peux... en fait, à un moment, j'avais regardé, tu peux acheter des T-72 pour 300 000 euros. Ah la vache. Voilà. C'est presque pas cher. Mais non, mais ça vaut plusieurs millions d'euros neufs. Voilà. Non, mais en vrai, c'est pas si cher si tu l'aménages en maison, tu vois, maison mobile. Ah, pas en vacances on avec. Quand même que c'est, que oui, c'est, alors... ce que, c'est ce qui est utilisé actuellement sur le théâtre, quoi. Oui, tout à fait. Bon, faut pas être spécialement claustro quand même, mais... Oui, non, mais il y a moyen de faire des trucs sympas. En plus, si tu transformes la tourelle en panoramique, tu peux prendre ton petit déjeuner en faisant tourner la, la tourelle. Alors par contre, il n'y a pas de vitesse, hein, c'est toujours la même vitesse. Ouais, mais l'avantage, tu peux même mettre un système pour qu'elle suive la lumière du soleil, pour que tu sois toujours ensoleillé. Ah ouais, c'est pas con. Comme les maisons qui tournent sur elles-mêmes, tout ça. Au secours, j'ai un sniper et j'ai 12 mecs qui me foncent dessus. Bon ben voilà. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud de prendre leur base, je pense. Alors, oh là là là, c'était quoi ce rush là? Fais comme moi là, tu fais une petite progression, accroupi, en ayant pris le camouflage. Ah, j'en vois quand même que Zikino, hein, il a pas arrêté de nous dire « Ah, dépêchez-vous, tu parles, il est même pas venu nous aider, quoi. » Mais non, mais tu sais, c'est un peu le général. Il est là pour dire « Non, mais faites ça, mais moi, je viens pas. » Ouais, c'est clair. Premier à donner des ordres, mais... des travaux finis. Ouais, le fameux. Il dit encore qu'il y a un camion de cargaison qui a été repéré, qu'il faut l'amener à l'armurerie, mais... Je ne sais pas où il est. Je peux monter là-haut avec mon sniper, ça pourrait être pas mal. La dernière fois que j'ai essayé de monter en bas, ça a pas marché. C'est vrai ? Oh, et voilà, je me prends la balle, putain, c'est pas vrai, c'est toujours pour ma gueule, quoi. De quoi, moi, wesh ? Ah, bah voilà, je savais que ça allait réveiller le Zikino, ça. Il nous faudrait des explosifs, il faut qu'on pète la tour radio qui empêche notre tour alors, de fonctionner. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut déjà y accéder à la tour radio. Pas de problème. On va y aller en mode spec. Mais non, mais putain! Un camouflage. Un pain de C4. Allez vous faire foutre, quoi. Et surtout, une rondelle de citron. C'est bon, le citron. Exactement. Petite tarte au citron de meringue, là. Ah oui. Ah oui, je dis oui. Ils essayent de sortir, hein. Cool, il pleut chez moi, ça va rafraîchir. Pas de signal. Ah oui, putain, on peut pas commander de bombardement du coup. Bah oui. Eh oui.
Merde, j'avais réussi à prendre un char mortier, j'aurais pu tirer sur la tour radio. Ah, pour info, on peut rentrer par derrière la base, hein, c'est ouvert. Hein. Bah c'est par là que je suis passé. Ah bah d'accord. Il y a personne hein, derrière. Non, là tout de suite, je pense que c'est vrai. Oh là 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 là. Et on sait tous que par derrière, c'est toujours plus attrayant. Et évidemment. Alors, avez-vous mis votre camouflage? Oh, on a un APC qui leur fait face, mais qui va prendre cher. Ah, ils ont un camion, un char mortier en face. Ouais, j'avais réussi à le piquer. Je crois que je suis sûr que je vais arrêter. Alors, le sniper, ça ne va pas marcher. Il y a une autre entrée qui n'est pas défendue. Bah, c'est derrière. Et là, il va falloir ruser. Mais non. Ah, bon, non. Alors, je me suis pris une bonne vieille cartouche des familles. Donc, c'était un peu plus défendu que tu ne le dis. Et exactement. Donc, tu es peut-être un traître qui voulait nous amener dans un piège. C'est ça. Tu as des noms? Non. Je m'en fous, j'ai réussi à en tuer à la grenade. Mais non, pourquoi? Bon, vous savez quoi, il y a un camion de spawn à la base. Allez hop. Quand il y en a marre. En tout cas, c'était une très belle grenade de la part de l'ordi. C'est pas faux. Tu restes admiratif. Allez, on va bien y arriver quand même, bordel. Oula. Qu'est-ce de... Oh, mais bon sang. Ça y est. J'ai fait un reset. Je me mets à courir vers les copains, mais c'est pas les copains. Faudra trouver un titre avec cette série, et je pense que le mot choucroute fera partie du titre de la série. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je trouve un jeu de mots avec choucroute alors. Bah, je sais pas. Mais faut que je trouve un truc en tout cas, moi. Ne gratte pas tes choucroutes. Ne gratte pas tes choucroutes. Ouais. C'est pas la chouquette, c'est la choucroute. Oh, belle grenade. Sharif avec le camion de spawn. Voilà, vous avez un camion de spawn en bas à gauche de la base maintenant. Oh, j'ai oublié de reprendre du C4. Ah, il est encore là mon pain de C4, ok. Ah, oh, mais... Bordel. Il y a plein de fourmis en bas là, c'est impressionnant. Vous savez quoi, il y a tellement de fourmis. Ah, je peux pas demander, putain non, je peux pas demander ce bombardement, je suis con. Eh oui, on ne peut pas. Oh là là, mais c'est impressionnant tout ce qu'il y a. Hein. Ah oui, non, c'est un camion de spawn, tu peux pas acheter des armes. Au secours, je suis en haut du toit, ils sont 15 autour de moi. Vous inquiétez pas, mon colonel. Je suis en mode last man standing. Quoi? Et pour moi, je tiens. Hein. Profitez-en. Ils ont un char mortier qui vient d'apparaître. Est-ce que c'est les camions de transport qu'il faut ramener? Camion de cargaison, je crois. Ah. Ça y est, je suis mort. Ils prennent le char mortier, du coup.
Fais chier. Oh, tu peux lâcher ça. Hein. Sinon, on peut le faire. Il suffit de prendre des lance-roquettes. Hein. On arrive dans la base, on tire un coup de lance-roquette. À force, il va exploser le truc. Hein. La tour. Ouais, je viens de lui remettre un direct. Boum! La petite grenade. Ça roule, Katox. Merci d'être passé. Et puis c'est pas grave, la prochaine fois, ça se passera mieux. Et Katox qui, me dit je dois vous laisser, en gros c'est la galère, et qui me répond faites des gosses. Ah, ça je sais, j'en ai trois. Alors. Bah moi j'en ai un, mais le mien il a 10 ans, donc il ne pleure plus. Ah mais j'en ai de 20 aussi. Ouais mais... ouais. Katox dit 3. Putain, il aime la souffrance. Ah ça, t'as pas idée. En plus j'ai gardé leur mère, je te raconte pas l'histoire. J'espère qu'elle ne l'écoute pas. Elle est couchée, je pense. Oh ouais, mais même si elle était là, ce serait pareil. On partage tout. Demain, nous apprenons un débit de divorce. C'est ça. Merci Katox, à la prochaine. De toute façon, on va... Des bisous Katox. On va essayer de finir cette map-là et puis on va s'arrêter, mais si on arrive à la finir... Mais des fois, faut pas dire ça parce que tu... Ouais, on finit la map, on arrête. 3 heures plus tard. Bon ouais, c'est pas un RPG. Ah, c'est vrai, c'était Dacus c'était pas revenu encore. Non, je mets, à mon avis, c'est mon disque dur, il est en train de décéder. C'est pas cool. T'as des choses importantes dessus? Non, c'est un disque de jeu. Bon, ça va alors. Mais bon, il fait 2 Tera quoi. C'est chiant. Ah bah ça, oui. En SSD ou pas? Non, c'est pas un SSD, c'est un hybride, c'est un mi-mécanique, mi-SSD. Alors, c'est pour ça que ça lâche, c'est de la merde. Bah, ouais. Les disques durs, bon, voilà, c'est des disques durs, mais les si tu savais le nombre de PC quand j'ai bossé en boutique pendant 2 ans, qu'on m'a ramené et qui étaient défectueux, à chaque fois c'était des hybrides. Ah ouais, les hybrides, c'est pas. Ouais, c'est pour... enfin, j'avais acheté ça il y a quelques années. Ouais, mais c'est normal. Bah, tu remarqueras que ça n'existe plus sur le marché. Bah, je savais même pas que ça existait, moi, donc. Si, mais ça ne se fait plus. Ouais. Non, mais je vais virer, je vais le débrancher, comme ça il me fera plus chier. Oui, à la limite, vaut mieux, parce que effectivement, tant qu'il reste branché, il peut te faire planter. Hein. Ouais. Bah, ça faisait un petit moment que j'avais des ralentissements sur ce PC, alors qu'il est tout neuf, quoi. Enfin, tout neuf, il a 6 mois. Ouais, la seule chose qui est pas neuf, c'est ce disque dur. Entre autres. Celui-là et il y a un autre aussi, mais bon, oui, voilà, ça fait 2 disques qui sont pas vraiment neufs, mais. Ouais. Bah, ça fait chier, moi. Ça fait chier, mais bon, après, s'il est vieux et que c'est un hybride, honnêtement, bon. Oui, s'il y a rien d'important dessus. Non, rien de vraiment important. Enfin, s'il y a des trucs que je vais sauvegarder, mais bon, il tiendra bien d'ici là. Alors, pour info, moi j'ai un Samsung T7 de 1 Tera. J'avais payé 107€ sur Amazon. Voilà. Oui, bah à ce prix-là, maintenant j'ai 2 Tera. Oui, bon. Alors je vous confirme une chose, les tirs de roquettes n'endommagent pas la tour. Ah merde, je venais d'aller chercher un lance-roquette pour rien en fait. J'en suis à 3 tirs directs dedans et elle est toujours à 85. Ah non, elle est descendue à 66, alors il doit y avoir certains endroits qui comptent et d'autres pas. D'accord, le problème c'est que j'ai tiré un roquette et j'en ai pas d'autres sur moi donc. T'es venu avec un sac à dos de lance-roquette j'imagine. Ah c'est dommage, elle est accessible là pour l'exploser. Ah là là. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Je suis passé. Et je ne peux pas me servir du smoke. Eh ben c'est bien dommage. Oh do de Dieu. Ah ils sont chiens avec leur char mortier là. Pourquoi on n'a pas de char mortier? Ah parce que l'IA a toujours des armes d'avance sur toi pour te faire galérer. Mais au fur et à mesure on va en débloquer d'autres, après il y aura les chars lourds et tout. Plus on va avancer. Je te rassure. Non, s'il y avait un javelin. Ouais, c'est vrai que moi je viens de la toucher aussi, elle est toujours à 66% la petite saleté. Ah c'est toujours dur à prendre les bases, et encore plus quand on peut pas bombarder, parce que si on avait pu faire bombarder une fois ou deux, je peux vous dire qu'on aurait déjà fini. Tu
pense que c'est quand t'as tiré où que ça a fait des dégâts, tu sais pas. J'ai une idée. Je vais tenter un tir en hauteur. Ouais, dépêche-toi parce que ça va, tu vas te faire allumer là. Que dalle. Que dalle aussi. Il faut aussi, la défaire pour gagner, c'est ça? Non, mais ça va nous rétablir les communications et on pourra commander des bombardements et tout. Ce sera beaucoup plus facile pour ça, finir la ça nous coupe la radio, voilà. Ouais, c'est ça. D'accord. Je vais t'aider, hein, t'inquiète, bouge pas trop. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Bon, j'ai pas la meilleure arme du monde à distance. Voilà, si tu me couves, je te couvre, parfait. Voilà. Si ça peut permettre à l'IA de... J'attends l'autre avec son lance-grenade, là. Le bâtard, casse-toi. Ouais, tombe. Oh, elle est pas précise de loin, putain, c'est affreux. Ah. Eh merde. Bon, je venais de le buter, c'est pas grave. Ah oui, mince. Et on a l'IA qui nous aide là ou quoi? Y'a un mec là, torse nu là, il s'appelle Teddy Cockburn. C'est pour ça qu'il est torse nu. Pour sa coque qui burn. C'est ça, ouais, c'est pour ça, je pense qu'il est chaud lui. Ah, on a, y a un bombardement qui a été fait. Alors. Ah, mais attends, il y a une stratégie qui est possible. Réserve personnelle, il y en a une. Donc je vais aller au respawn, prendre du C4, charger la réserve personnelle avec. Ils sont tous à la porte d'entrée. Hein. Et il y a l'autre moitié qui est en bas de l'échelle pour essayer de monter et de me buter alors que je suis sur un toit. J'en ai une quinzaine, ouais, une dizaine, douzaine autour de moi. Un château d'eau, ça fait quoi de casser le château d'eau? Oh merde. Bah, ils peuvent plus se laver. Je sais pas trop, honnêtement. Honnêtement, je sais pas trop ce que ça fait, ces objectifs-là. Ça avait peut-être un truc, hein. Peut-être ils ont plus d'eau, donc ils sont... Je bois un verre d'eau. À la demande d'Akatsuki. Dans 20 ou 30 ans, il y en a plus. Ouais, c'est vrai. Moi, je m'en fous tant qu'il y a de la bière. Ah, mais non, c'est fait que de l'eau, merde. Et ouais, c'est une bière, hein, plus. Hein? Faut pas mal d'eau pour faire une bière en fait. Ouais, c'est clair. La preuve, hein, chaque fois que t'en bois une, tu pistes tout ce qu'il a fallu pour la faire. C'est pas faux. Ah, d'ailleurs, j'ai bien envie d'une bière, mais j'en ai plus à la maison. Je dois aller en acheter deux. Moi j'en ai et je t'en enverrai volontiers une, mais je ne peux pas la dématérialiser. Pas encore. J'en ai bien une, mais c'est une bouteille, donc bon, si je l'ouvre, je suis juste à finir, quoi. Coucou Amine, oh, oui, la soirée se passe bien, on en allez, chie, mais la soirée se passe bien. Mais la guerre de la choucroute se passe bien, ne t'inquiète la guerre pas, de la chou... Ouais, je vais appeler ça la guerre de la choucroute, tout simplement. Hein. Voilà. Non, c'est une marque ouh déposée, un peu comme William Sorin. Ah, ou The Choucroute War. The Choucroute War. Choucroute War. Ouais, on va l'appeler comme ça, tiens, c'est pas mal, The Choucroute War. Alors je l'ai dit tout à l'heure, je suis croutoir, là tu me déçois là. C'est vrai, tu l'as dit. Au lieu de RWR, ce sera RWC, Run with Choucrout. Run with Choucrout. Ah ça c'est bon ça, Run et with et c'est beaucoup plus dur je pense de courir avec une choucroute. Alors tu dis ça parce que t'as pas essayé. C'est vrai, mais... Si t'as le droit de la renverser, ça doit aller. Alors, il est avec le grand, le beau, le puissant AK, et les autres, on s'en fout. Ouais, voilà. Nous sommes des figurants. C'est ça. Mais non, il y a Crazy Bern, mais il y a également Dacus, et tout à l'heure, il y avait Cat Ox. Je sais pas pourquoi je parle pas comme des Américains alors qu'on est Allemands, j'aurais dû le faire autrement. Yeah, nous savions Cat Ox avec nous, ainsi que Dacus. Yeah. C'est ça. Vive la choucroute. Yeah, vive la choucroute. Vive la choucroute libre. Vive la choucroute libre. Ils sont pas possibles. Oh, ils font une invasion là, mais ils sont vénères. Où ça? Plus vers la gauche. Je suis rentré par la gauche, bah là où il y a le... Ah bah oui, mais c'est ce qu'on essaye de faire vers le camion spawn là. Ouais, bah vers le centre là, ils sont... Ouais. C'est...
Sauf que depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à péter l'équipe des mineurs nains. Bah, Dacus, oui. Oui. Crazy fait aussi du DRG, mais. D'accord, on a pas fait ensemble. En fait, il y a toute notre armée, elle est dans notre base. D'accord. Off, peut-être pas toutes, mais. J'arrive avec l'armurerie. C'est pas con. Et si nous avons fait du DRG ensemble, me semble-t-il. Oui, je parlais pas sur la chaîne, je voulais dire, mais. Ah. Mais en privé, un petit peu. Ah, ils font des trucs en privé. Mais j'avoue que je suis en grosse pause de DRG par contre. Ah si, on a fait un live de la saison 2 ensemble. Excuse-moi. Oui, tout à fait. Ouais. Il y avait Postlovich. Il semblait aussi, bien. Si je me souviens bien. Exact. Un jour, je lancerai ce jeu que j'ai acheté. Et tu ne le regretteras pas. Non, c'est vrai. Mais j'avoue que là, je suis en grosse pause de DRG. Problème. Bah Dacus me l'a dit il y a pas longtemps, je fais mais tu peux pas faire une pause, bah là si j'en peux plus. Si, j'avais beaucoup spammé le jeu, il fallait que je fasse une pause. Ouais. Et ouais, là j'avoue que j'ai d'autres jeux, j'ai des clés qui sont tombées, j'ai plein de trucs prévus encore sur la chaîne. Et voilà, c'est une Northgard qui va arriver, je vais continuer, je vais attaquer mes 4 campagnes extension d'Heroes of Might and Magic 2, ouais, je suis sur les jeux d'il y a 30 ans, ouais. T'en as pour, ouais. J'en ai pour l'été, ouais. Vous avez pour l'été, campagne solo Northgard, après ce sera une campagne multijoueur Northgard, je dois faire une découverte avec ma liste d'un jeu de société, je dois faire quoi d'autre, trop de choses, enfin pour moi c'est trop de choses, pour A4 il doit se dire oui bon c'est un dixième de ce que j'ai de prévu, mais je sais pas, alors là en ce moment je suis à 9 jeux et j'en ai... 12 qui sont en attente. Ah ouais, quand même. Il y a une mallette à l'entrée. Alors, c'est bien. Oui, c'est à l'entrée. L'armurerie arrive. L'armurerie arrive. Adieu, Dacus. Ouais, non, j'ai le jeu qui a freeze. Je crois que... Ouais, non, mon disque dur, il est vraiment en train de décéder. Ouais, là, c'est... Ouais, je vais le débrancher, je vais en commander un nouveau, et puis voilà. C'est ça. Je vais en commander deux, même. Un mecha et un SSD. Allez. L'armurerie est au niveau du point de spawn. Compagnon de spawn. C'est une bonne nouvelle. Et bah vous savez ce que je vais faire, parce que ça se tente. J'ai récupéré à l'armurerie un kit mortier que je vais déployer et on va essayer d'allumer la tour radio avec. Comment on fait pour utiliser le C4? On le met à la place de la grenade, c'est ça? C'est ça, tu le mets à la place de la grenade et après ça sera le bouton de gauche. Donc surtout Tu ne le poses pas et tu cliques en même temps, sinon tu vas avoir une surprise. Alors, non, c'est pas tout à fait ça. En fait, enfin, je crois. Hein. En fait, je crois que tu. Effectivement, tu le jettes comme une grenade. Et après, si tu cliques, il faut viser. En fait, avec ton viseur, tu vises sur ta charge de CK, donc tu peux t'éloigner. Tu mets le curseur dessus et quand tu cliques, ça explose. Je crois. Attendez, on va essayer. Oui, c'est ça. Mais je sais pas si ça marche sans viser. Tu dis que ça marche, toi, Crazy, sans viser le truc. Ah, je ne sais plus. C'est vrai que je dois avoir tendance à le regarder à chaque fois. Mais Parce que je crois que j'ai déjà cliqué plein de fois sans et ça ne marchait pas. Et puis d'un coup, j'ai mis le truc dessus et boum. Kaboum, même. Mais, écoute, moi, quand je l'ai visé, là, ça explosait. Donc, Eh bien, donc tu confirmes. Ouais. Alors, je vais faire une approche. Alors, le problème, c'est qu'il y a des snipers. Et qui détecte même avec un camouflage, ça c'est problématique. Alors si tu me couvres, je vais monter sur le toit et je vais mettre un mortier sur le toit. Attends, je suis en train de faire une approche. Moi, si vous pouvez me couvrir, j'ai le C4. J'ai également le C4, ouais. J'ai un mortier. C'est parti. Oh, le bruit du tube. Ouais, c'est... Bim. Ah ouais. Ah, 61, elle vient de descendre. Par contre, je me fais allumer, je l'ai mal placé. Après, c'est eux qui vont la voir. Moi, j'ai mon C4 qui est tombé par terre. C'est trop bien ça, le kit mortier, n'empêche. On peut déployer comme on veut. Et voilà, je suis mort. Heureusement, A4 a ramené l'armurerie mobile, donc je vais vite, si c'est possible, prendre des kits de fortification. Je couvre le mortier. Je répète, je couvre le mortier. Vas-y, je ramène des kits de fortification pour essayer de protéger. Ah, merde. Bon, cela dit, avec un peu de chance, ils vont pas aller le prendre, ces enfoirés.
Merde, ils y vont. Ah, ils m'ont allumé. N'hésitez pas à récupérer les kits de fortification au sol. Hein. Mais bon. Ils tirent au mortier. Je confirme, ils l'ont récupéré, oui. Ouais, bah ça, j'aurais dû m'en douter. Ah, puis maintenant, ils couvrent l'échelle, les gars. Est-ce que c'était une bonne idée? Ah, la punition. Vas-y. J'y vais. Attention à toi. Oh putain le bâtard. J'étais en train de recharger. Oh non, je peux pas poser de kit. Oh, mon téléphone va s'éteindre. Je n'aurai plus le chat. Demain. Ah non, non, non. Si tu me reçois, il est dispo là le mortard. Peut-être. Si, si, il est dispo. Y a personne dedans. Je le couvre. Ah bah non. Ah si. Mais je couvre que d'un côté. Et je alors je vais tenter une approche, mais non. Scheiße, comme on dit hein. Aïe. Oups, bordel. Elle est chiante cette tour. Merde, ils vont le prendre. Alors, j'aime bien, c'est quand il te dit coup de feu au niveau de la base. Ah non, on est en train de l'attaquer, forcément il y a des coups de feu. Tu dis bien joué, Captain Obvious. C'est ça. Attendez les gars, il y a un engagement militaire. Écoutez, on est en pleine guerre. C'est ça. Excusez-nous de travailler. Non, c'est une opération spéciale. C'est ça. Alors par contre, depuis que j'ai mis le point de spawn en bas, ils viennent tous en bas les IA. Allez, je suis grimpé, j'ai grimpé en haut. Oh non ! Je suis mort. Ils sont relous, hein. Bon sang, mais quelle résilience. Mais rendez-vous, bande d'Américains. Combien de vies humaines pour une base, hein ? Bah, en théorie, quand tu fais une attaque comme ça... comme là t'attaques une base, en théorie c'est 3 pour 1. Ah oui. Tu dois être 3 fois si la force. S'il y a 100 défenseurs, techniquement tu dois avoir 300 morts. À peu près. Ah la vache. J'avais ouais, c'est les calculs des... qui ont... Si, si, c'est bah... Tu sais, c'est par rapport à notre petite expérience, parce que ça fait que quelques jours qu'on se tape sur la gueule. Oui, bien sûr, c'est tout nouveau dans le monde de l'humain. Voilà. C'est ça, on n'a jamais fait ça avant. Donc on commence à faire des chiffres. Ouais. On commence à avoir une certaine expérience. Ouais, un certain recul de plein de bases différentes, de zones différentes, de climats différents. De... C'est ça, et donc en fait. D'arbres différentes aussi. 3 pour 1, c'est en cas de bonne préparation. C'est-à-dire que les mecs, tu leur as envoyé la sauce dans la tronche, t'as fait des trous dans les murs. Ouais, je vois le genre. Voilà. On rappellera la guerre de Grozny d'ailleurs, qui est un exemple militaire de ce qu'il ne faut pas faire. Si vous arrivez à me couvrir, ouais, c'est intéressant là. Je suis chaud. J'ai réussi à tirer dedans et à l'endommager en tirant bien à la base. Elle est plus qu'à 46. Alors j'essaye de te couvrir, mais ça arrive là. Et voilà, encore une fois, qui s'est pris une balle dans la tête, c'est Bibi. Mais j'avoue que tu es tombé, c'était propre. Hein. Tu mais tombes bien. Parce que je n'arrive pas à monter en haut, avoir mes kits de fortification et d'en remettre un à gauche qui me protégerait bien comme il faut. Enfin, en vrai, il faudrait faire une espèce de carré. Alors, quoi. Comment ça marche le mortier? Tiens, je vais essayer. Oh bah, tu vises, tu tires. À quel endroit t'en veux un à gauche là? Il faut en mettre un devant, hein, carrément en fait. D'accord. Alors c'est rouge, mais ça marche quand même, je crois. Ah, il me tire dessus. Non, ça marche pas. Négatif.
Je l'ai tellement mal placé le premier, en fait j'aurais dû le mettre plus en retrait. Hein. Je l'ai très très mal placé le kit mortier. Ah, tu bouges vraiment pas, hein. t'es vraiment. T'es vraiment une cible facile par contre. Complètement. Je suis étonné d'être encore en vie. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un autre. Et on va le placer ailleurs. Parce que là, c'est pas possible en fait. Par contre, si je le perds, là, ça va faire mal. Enfin, ça coûte cher quand même. 200 RP. Non, non, mais attends, je vais m'en occuper moi. Au launcher, mon vieux Karl, il va m'aider. Bon, ils sont protégés par un arbre. Il est bien dans l'axe, hein. Il empêche bien les tirs. Oula. Qui c'est en quad là? Ok, alors il y a un kit mortier en haut de la tour à l'entrée. Parce que je suis mort. Okay. S'il y a quelqu'un qui arrive à le récupérer, n'hésitez pas, il finira par disparaître sinon. Il n'est pas déployé, hein, je précise. J'y vais. Couvrez-moi. Ouais, on va essayer. Couvrez-moi, mon colonel. Ah. Merde, je peux pas monter. Voilà. Non. Non. Ils m'ont tué sur l'échelle, bande de salauds. T'en en chie grave hein, quand même. Hein. Je le confirme. En plus, Dacus, il a trouvé la solution pour arrêter de mourir. Ah, mais mon PC, il bug. Ouais, j'aimerais bien qu'il ne bug pas, en fait. Oh, il y a un mec qui s'appelle Mike Tyson, quoi. On a Mike Tyson. Oh, ouais, il est mort. Jeter une grenade dans le véhicule ne fait rien. Intéressant. Oh, ça fait des petits dégâts, normalement. Mais pas grand-chose. Non, dedans. Ah, dedans. Oula. Mais là on se prend du lourd là. Ah ouais, ouais on se prend la sauce là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça, c'est américain. Ça s'appelle une forteresse volante. Ah c'est ça qu'ils ont? Ah bah oui. Oh la vache, mais on l'a bien pris cher. Hein. On va jamais y arriver, c'est pas possible. D'accord, je vais retourner. Ouais, je vais retourner. Je vais faire comme un 4, je vais retourner de face. Je vais regarder un peu comment ça, à quoi ça ressemble parce que. Ok, d'accord. C'est le bordel. Ok, les soldats ne font que crever à l'entrée en fait. Hein. Ok. Ouais, non, c'est mort. Mais c'est l'enfer du cul. Ouais, re le signe, on n'a pas encore fini. Et j'espère qu'on va finir quand même parce que c'est la merde. Ça va le faire, mon ami. Ça va le Mais faire. Si, ça va le faire. Écoutez, moi j'ai encore réussi à la descendre de 10%. Elle doit être à 30 et quelques là. Échappe, mine, bazooka. Ah, je vois que je ne suis pas le seul. C'est bien tiré dessus à la base quand t'as le point vert. D'accord. 16%, allez. Je crois que je l'ai pas touché. Oh les bâtards. Allez, on y est presque. Chobiti veut savoir pourquoi tu voulais des patates sur le Discord, Akat. Pourquoi je voulais des patates, hein? C'est... Je n'ai pas compris non plus. Mais bon, après j'ai peut-être pas lu un truc, hein, donc c'est peut-être normal que après... je comprenne pas. Des patates avec la choucroute, ça passe, mais... Oui, t'es sûr que c'est pas ça. Pour les kartoffeln? Kartoffeln? Ah, si, c'est peut-être ça. Le kartoffel pouffeur, mais oui, tout à fait. On se mais prend écoute, un... Betty, on se prend Betty, un si tu peux si tu pouvais me faire un kartoffel pouffeur, je ne dirais pas non. C'est toi qui fais le malin en parlant allemand, Akat. Ouais, voilà. Alors, est-ce que tu as pu deviner ce que c'était? Parce que Chobiti t'a donné 80% de la recette. Je ne savais pas que Chobiti parlait allemand. Ah, mais moi non plus, je ne le savais pas, on en apprend tous les jours. Et lui non plus ne le savait pas. Mais Kartoffel, je devrais le savoir parce que... Parce que dans... Ouais, j'ai des références. 1% la tour, oh la vache.
Ah, je me suis pris un coup de mortier sur mon mortier. Ah, flûte alors. Parce que la, dans le film Le Grand Restaurant, à un moment, Louis de Funès, quand il fait l'accent allemand, et la scène très bien connue où il a l'ombre qui vient lui faire Hitler, plus il monte dans la recette, et il parle des pommes de terre, et il dit Kartoffel. Donc j'aurais dû dire, ça me dit quelque chose. Voilà, référence de vieux. Ça y est, les pétés. Allez, on balance tout. Balancez tout. Balancez du bombardement. Ça va péter. Voilà, encore. Allez, on recommence. On claque tous nos RP. C'est quoi? C'est une fuite d'eau que j'ai chez moi? Une fuite d'eau? Je crois que j'ai un bruit de fuite d'eau. Bah, tu vas voir quand même, je sais pas. Ouais, j'arrive. Ouais, ouais, enfin, je sais pas, hein. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais. Ah oh là là, les dommages collatéraux, fuite d'eau, bébé qui pleure. C'est ça, il s'est fait cramer sa voiture il y a deux jours aussi, je crois. Ah, oh, c'est bon ça, ouais. Super. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il a mis les photos sur le Discord. Ce qu'on a eu pas mal chez nous, c'est des grêlons qui ont détruit les voitures. Aïe, je me suis pris mon casque dans la tronche. Ouais. C'est bon, j'ai résolu le problème. Bon, ça va. Ouais, c'est... Moi aussi, ouais, les grêlons, on fait le taf. C'était juste la porte qui était ouverte. Ah, et il y avait. Pleu averse. Ah, d'accord, je croyais que j'allais dire. Et il y avait Madame OVC. Du coup, il pleuvait averse aussi. Pas un bruit... Il faudrait quand même pas un bruit de fil d'eau. Bah oui, 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 non. Oui, mais tu sais, quand on fait autre chose en même temps, des fois, on fait pas gaffe. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es aux toilettes? Explique-nous tout. Dis-nous tout. Un gros pipi. On va tout savoir. Oh, et rien payé. C'est ça. Tout à fait. Putain, je meurs en boucle là. Ça, pour moi, ça n'a pas suffi, hein, les bombardements. Bon, ben moi, je vais vous laisser puisque le PC n'a pas l'air de pouvoir. Bah non, bah écoute, pour. Tu changeras ton disque dur, ça ira mieux et puis voilà. Oui, non, mais je vais le débrancher déjà, ça va. Oui, oui, en attendant, oui, commence par là si tu veux profiter de ton PC. Ouais, voilà. Bon, bah bonne soirée. Ouais, bah bonne soirée, on va pas tarder de toute façon de. Yep. Parce que si on n'y arrive pas. Dès qu'on a fini la base. Ouais, ouais. C'est que je commence à avoir faim, moi, quand même, là. Je vais être honnête. Je vais être honnête, ça commence à creuser. Hein. Ah mais il y a nos mecs qui sont bien à l'entrée de la base hein, donc en fait on pourrait pouvoir rentrer. Non mais là ils viennent de progresser fortement là, les autres. Ah ils ont oh putain. Ils ont restauré. Ils ont restauré, alors là je suis vert. À 100% hein. Par contre on est en... Ouais, on est en train de commencer le point grâce à notre blindé si on arrive à le protéger. Parce qu'en plus on est en train de péter leur point de spawn hein, tant qu'on est là. Hein. Faut tenir 20 secondes. Normalement ils vont plus pouvoir spawner là. Ou très 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 peu. Ils attaquent. Oh, je suis mauvais. Oui. Ah oui. Ah tout de même. Et j'ai chopé, j'ai chopé un laptop que je vais aller mettre pour la prochaine fois. Laptop. Je suis mort au moment où on a gagné. Un QCW05. Qu'est-ce que c'est? Il est ouf. Ah oui, d'accord, c'est une espèce de mitraillette silencieuse encore. Un peu comme le MP5 et le Scorpion. Ça doit être l'équivalent... MP5 américain, ouais. Équivalent russe? De quoi? Ah non, c'est le Scorpion. Le QCW05. Ça me dit rien.
Parce qu'après, il n'y a pas forcément les vrais noms, donc... Ouais, c'est possible aussi, effectivement. Ah, mais QBC, c'est pas l'arme chinoise, là? Un bel pep. Ah, c'est QBC, si. Non, QCW. QCW. Ouais, ouais. Bon. Je vais regarder. QCW05. Ça existe. C'est chinois. Ok, QCW pour Qiang. Attention à mon accent. Qiang Chang Fang Wang Qing. À tes souhaits. Voilà. Utilisé par l'armée de libération du peuple. Produit en 2005 jusqu'à maintenant. Oups. Voilà, c'est tout. Bon, et ben écoutez, je propose qu'on ne lance pas la nouvelle map là. On s'arrête sur ce petit point-là. Et la prochaine fois, parce que la VOD va être très longue du coup. C'est très drôle de tirer dans mes mecs. Oui, tu peux. Et tu sais, quand t'as un groupe de soldats, tu tires et ils partent tous dans une direction, c'est très très drôle. Ah bah oui, ça les fait fuir. Et ben écoutez, la prochaine fois, on se retrouvera pour la suite de cette campagne et on fera soit le Old Four Creek ou Keep Sake Bay, avec mon accent magnifique toujours. Allez. Merci les gens, merci à ceux qui sont passés, qui nous ont tenu compagnie et qui ont, j'espère, apprécié ce live. Merci à Kat, merci Crazy. Mais de rien. Et bah puis on se tient au courant pour se refaire une petite session la prochaine fois, tous ensemble. Ce sera sympa. Ouais. Bye bye la VOD déjà pour commencer. Et je mettrai fin au live juste après. Des bisous.